Donc l'ANEFA, c'est une bourse d'emploi qui gère toutes les offres d'emploi en production agricole, des emplois saisonniers, des CDD et des CDI également. On est sur tout le département du Finistère. Moi, je travaille sur Quimper, je gère tout le sud Finistère, la grande région Nord-Brest. Et on a un deuxième bureau basé à Saint-Paul-de-Léon qui gère le secteur, donc Saint-Paul-de-Léon et Carhaix. Notre but est d'aider les personnes à trouver du travail en production agricole, que ce soit en production végétale ou animale, accessible pour la plupart d'entre elles, notamment au niveau des saisons, à des personnes sans expérience ni formation. Les types de profils vont être divers et variés. Des personnes motivées, disponibles sur le temps du contrat. Alors, les contrats sont plus ou moins longs. On a des emplois en saison pour les échalotes, par exemple, la plantation d'échalotes là, qui démarre courant le mois de février, qui va aller, je pense, jusqu'à mi-mars, mais ça dépendra de la météo. Pour ces profils-là, il faut être relativement mobile puisque les exploitations agricoles ne sont pas desservies par les bus. Il ne faut pas forcément être majeur, c'est accessible aux mineurs de plus de 16 ans. Il faut être libre à n'importe quel moment, je vais dire, dans la semaine. Puisque les emplois varient selon qu'il fasse beau ou pas. S'il fait trop mauvais, on ne peut pas planter les échalotes. Donc là, ça va dépendre beaucoup de la météo. Donc là, les vacances scolaires peuvent bien tomber pour cette année, mais tout dépendra du temps qu'il fera. Ce sont des contrats qui vont durer 15 jours, 3 semaines maximum. Ensuite, on a tout ce qui va être emploi en serre vert notamment pour la fraise et la tomate, qui sont des contrats plus longs, donc accessibles à partir de mi-février, mi-mars pour les débuts de contrat en fraise jusqu'à fin juin, mi-juillet. Et la tomate démarre aussi maintenant jusqu'à fin août et peut aller jusqu'à octobre-novembre. Tout dépend du contrat que l'on recherche. Nous, après, on est là pour orienter les personnes sur les bons contrats correspondant à leur capacité et leur disponibilité également. Il y a beaucoup de contrats aussi selon où les personnes habitent en plein champ, plus sur le secteur du Léon, qui là sont accessibles à toute personne aussi voilà, motivée pour travailler. Mais la mobilité peut être un frein. J'insiste sur une mobilité individuelle parce que le covoiturage existe, mais il faut quand même pouvoir pallier à une éventuelle absence d'un chauffeur si jamais ce dernier ou cette dernière est malade, pouvoir se rendre sur le poste seul. Deux façons les plus simples possibles, nous appeler aux deux numéros de téléphone des bureaux, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. Ou alors par le site internet en s'inscrivant sur l'agriculture-du6recrute.org. C'est tout simple, il faut remplir une petite info avec les coordonnées, avoir un CV à jour, c'est important pour pouvoir savoir un petit peu ce que vous avez fait et vous orienter le plus facilement possible pour nous.